personnes ont été privées de leurs droits et de leur liberté durant le G20 cet été. La Commission interaméricaine des droits de l'homme est suffisamment préoccupée pour exiger que le Canada s'explique. Hier, le ministre de la Sécurité publique en comité a prétendu n'être responsable de rien. Est-ce que le Premier ministre va exiger la tenue d'une enquête publique et indépendante pour faire la lumière sur les arrestations abusives survenues pendant ce sommet et offrir des excuses aux citoyennes et aux citoyens dont les droits ont été bafoués?